à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette première conférence de la journée des rencontres de l'orientation at home. Vous le savez, cette semaine, on organise un événement un peu exceptionnel, des rencontres de l'orientation spéciale à la maison, où on vous aide dans votre orientation, on vous conseille avec des spécialistes de tous les secteurs. Et pour cette première Bonjour, je vous entends pas. De la journée, on va parler des écoles de commerce et des admissions parallèles, plus particulièrement. On est avec deux invités ce matin, Catherine Gauthier de la Plaine, qui est déléguée générale du concours Passerelle, qui permet d'intégrer 10 écoles de commerce par le biais des admissions parallèles. Et on est également avec Samuel Boileau, qui est le directeur de l'école de commerce ISG à Bordeaux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Vous allez nous aider un petit peu à décrypter ce sujet des admissions parallèles dans les grandes écoles de commerce. Donc, je viens de vous présenter. Maintenant, nos internautes savent ce que vous faites tous les deux, où vous travaillez. La première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, alors c'est vrai que ça peut être un terme un peu abstrait, celui des admissions parallèles, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est qu'est-ce que c'est en fait les admissions parallèles? Catherine, est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu ce que c'est? On parle aussi d'admission sur titre souvent. Eh bien, l'admission parallèle, c'est la possibilité pour un jeune diplômé de niveau Bac plus 2 ou Bac plus 3 de rentrer dans une grande école de management pour y obtenir un diplôme de niveau Bac plus 5, grade de master. Voilà. Et donc, continuer dans cette définition, Samuel, est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que font les étudiants pour rentrer par le biais des admissions parallèles? Oui, bien sûr. Alors, d'abord, ça dépend naturellement des écoles. Et puis, il y a eu la pandémie qui a fait que toutes les grandes écoles de commerce ont été amenées à revoir leur process d'admission. Les admissions parallèles, pour rebondir sur ce que disait Catherine, ce sont des gens qui, à la sortie du bac, ont eu envie de débuter par un BTS, par un IUT, par un parcours universitaire, et qui, à un moment donné de leur parcours, se disent « j'ai envie de poursuivre vers une grande école de commerce pour renforcer le côté proximité avec les entreprises, pour mieux se projeter sur leur futur métier ». Pour revenir aujourd'hui à votre question, alors les choses ont un petit peu évolué. En raison, encore une fois, de la pandémie, on avait tous des process de concours pour sélectionner ces profils-là pour qu'ils puissent intégrer nos écoles et nos programmes. Maintenant, tout se fait avec un examen du dossier et un examen d'une lettre de motivation. Sachant que ce qui est très important, c'est surtout la lettre de motivation, parce que c'est un élément qui va nous permettre de comprendre le projet de l'étudiant, de comprendre pourquoi il a fait le choix au démarrage de commencer par un BTS, un IUT, un parcours universitaire, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, son envie, son projet professionnel peut s'exprimer à travers l'intégration d'une grande école de commerce pour effectivement valider un diplôme Bac plus 5, absolument. Ouais. Alors, on re-rentrera dans les détails un petit peu pour chaque école de ce qu'il faut faire pour rentrer par le biais des admissions parallèles un petit peu plus tard. J'aimerais préciser à nos internautes qui nous regardent actuellement qu'ils peuvent nous poser toutes leurs questions. Je les transmettrai à nos invités qui sont ici pour y répondre. On a à peu près 45 minutes ensemble aujourd'hui. Donc vraiment, n'hésitez pas, la moindre question que vous avez, si vous êtes intéressé, vous nous la posez. On y répondra avec grand plaisir. Vous parliez des BTS, des DUT. En gros, les écoles qui ouvrent les admissions parallèles, donc quasiment toutes, en fait, voire toutes, elles les ouvrent après n'importe quel cursus post-bac. Catherine, si vous voulez répondre, je réponds. Alors, n'importe quel, pas tout à fait quand même. Il faut que ce soit des diplômes reconnus et en particulier pour ce qui concerne le concours passerelle, reconnu par l'institution passerelle. Il arrive qu'on refuse certains diplômes. Mais en effet, n'importe quel IUT, n'importe quel BTS qui sont des diplômes d'État sont reconnus pour postuler au concours passerelle. Les licences 2 également. Et puis, également, les Bac plus 3, donc les licences 3, les bachelors, les DUETE, DUETI, qui sont des diplômes que l'on obtient après un IUT, avec une année d'études supplémentaires. Et on accepte même des diplômes de niveau Bac plus 4, parce qu'il y en a certains qui ont envie de se réorienter. Voilà, donc tout candidat qui...
a envie de peut-être soit de enfin qui avait déjà programmé son parcours d'études dès la terminale ou qui souhaite se réorienter ou qui ne savait pas trop qu'est-ce qu'il ferait après son BTS ou après son IUT, il a la possibilité de postuler en école de, enfin pour entrer en école de management du moment que la motivation est là, bien sûr c'est extrêmement important, et du moment que le diplôme est quand même voilà, est reconnu. Samuel, il y a des cursus à privilégier pour si on envisage de rentrer en école de commerce un petit peu plus tard? Alors, pour rebondir sur ce que disait Catherine, je suis complètement d'accord évidemment avec elle. Une précision, ce qui va vraiment compter, ça va répondre à votre question, c'est avant tout le projet professionnel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'intégrer des gens qui ont un projet professionnel et nous, on pourra les amener par le biais de nos formations, de nos programmes à la réalisation de ce projet professionnel. Donc, très clairement, l'enjeu pour nous, c'est de trouver des gens qui ont une idée, une envie, que ce soit de l'entrepreneuriat, du management, de la finance, du marketing, de la communication. On dit une école de commerce, ça amène à tout, ça n'a jamais été aussi vrai. Mais avant tout, ce qu'on demande aux gens, c'est d'avoir une idée de leur projet professionnel et de justifier leur volonté d'intégrer une grande école de commerce. C'est vraiment important, au-delà même du diplôme. Vous pouvez avoir une licence en droit. Si vous n'avez aucun projet professionnel après cette licence en droit, vous tenterez votre chance pour intégrer l'ISG, par exemple, mais vous n'êtes pas du tout sûr d'être sélectionné. Ce qui va compter, c'est véritablement votre motivation, votre envie de projet professionnel. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, il y a naturellement des continuités plus naturelles qui se font avec un certain nombre de formations. Je pense notamment, en ce qui concerne l'ISG, tout ce qui est BTS Commerce International, parce que nous, on est une école résolument tournée vers l'international et on a beaucoup de candidats qui cherchent à intégrer l'école en troisième année après un BTS Commerce International. Les BTS, de manière générale, de management, sont des gens qui ont souvent envie de rentrer dans nos écoles. Après, on a aussi beaucoup de parcours universitaires, des gens qui, après des licences, se rendent compte que l'université les a formés sur des choses très globales, très généralistes, où l'entreprise a été assez peu abordée, finalement, de manière concrète, pragmatique, alors que c'est notre métier à nous, et qui se disent « bon, voilà, j'ai besoin de plus de concret ». J'ai maintenant un projet, donc je veux le concrétiser par le biais d'une intégration dans une grande école de commerce. Et là aussi, je m'inscris dans la même lignée que Catherine, qui parlait aussi des M1, hein, des gens qui ont une première année de maîtrise. Ça arrive souvent qu'après une première année de master en université, on ait pas mal de gens qui disent « bon, je veux quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus opérationnel, qui va me guider sur le marché du travail dans 2 ans, ça va aller très vite. Et du coup, je décide de candidater pour intégrer une grande école ». Moi, si je peux ajouter quelque chose à ce que vient de dire Samuel, je pense aussi que le candidat, il doit bien comprendre aussi ce que l'école a à proposer comme offre de formation et s'assurer que son projet professionnel, il pourra bien le réaliser dans cette école-là. C'est quelque chose de très important. Les jurys ont à cœur de vérifier que le candidat a bien creuser l'offre de formation de l'école dans laquelle il postule et que c'est pas une candidature un peu au hasard et au gré de je ne sais quel critère plus ou moins établi. Voilà. On a une première question qui vient de nous arriver. C'est Jacques qui nous la pose et je pense que vous y avez à peu près répondu, mais peut-être précisé. Jacques nous dit « Bonjour, on rentre en grade licence ou en grade master avec les admissions parallèles ? Est-ce que après un bac plus 5, déjà un master à l'université, on peut quand même rentrer en école de commerce par le biais des admissions parallèles ?» Oui, tout à fait. C'est pas fréquent, mais ça arrive qu'après… Ouais. Souvent, après un master plutôt global qui reste encore très académique, on a des gens qui viennent chercher une compétence très opérationnelle en management ou dans nos masters spécialisés. Par exemple, après une maîtrise de droit ou un master 2 en droit, d'aller chercher quelque chose sur de la négociation internationale, sur du commerce international, sur de la création d'entreprise, sur des parcours internationaux. Oui, ça peut arriver, ça reste marginal. Oui, nous, on a des ingénieurs aussi qui peuvent postuler, mais c'est très marginal, en effet. Une autre question qui est celle de Jules. Jules nous demande, bonjour, excepté cette année, le dossier est toujours examiné ou seulement les résultats des concours comptent ? Catherine, peut-être. Alors, côté passerelle, nous, il faut savoir qu'on était un concours digitalisé depuis 2 ans, donc prêt peut-être un peu plus facilement à aborder cette année 2020 dans le contexte de pandémie.
Et donc, les candidats cette année ont eu la possibilité soit de postuler en donnant leur dossier et leur bulletin, soit pour ceux qui n'avaient pas des dossiers exceptionnels, de valoriser leur travail de préparation au concours en passant des tests passerelles en ligne. Voilà. Et en ce qui Et du côté concerne de l'ISG? le... ouais, alors en ce qui concerne l'IEG, nous on avait toujours une mouture du concours qui faisait la part avec des tests de logique indépendants pour avoir une idée de niveau. On avait besoin d'avoir un marqueur indépendant de nous. C'est toujours pour nous un gage qui nous permet de nous rassurer, de se dire on ne s'est pas trompé, voilà, très clairement. Et ensuite une partie avec beaucoup d'anglais parce que ça fait partie de l'ADN de l'école internationale, je l'ai déjà dit. Et puis un entretien de motivation. Avec la pandémie, on a été obligé évidemment de revoir, comme beaucoup d'autres grandes écoles, notre concours. Aujourd'hui, il y a un dossier avec effectivement les diplômes, les résultats passés, mais surtout, j'insiste là-dessus, c'est vraiment fondamental, une lettre de motivation qui ne doit pas être une lettre de motivation lambda. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est qui vous êtes, votre projet, pourquoi nous, et qu'est-ce que vous venez chercher chez nous, parce que ça va nous permettre de savoir si nous, on va pouvoir vous accompagner dans ce projet-là et vous permettre de réaliser votre objectif professionnel. Alors, je rappelle à nos internautes qui peuvent nous poser toutes leurs questions. Hein. On est là pour y répondre. Il nous reste encore beaucoup de temps. Nos deux intervenants sont vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Moi, j'en ai une qui me vient. C'est bon, là, quand vous parlez de ce qu'il faut faire pour rentrer des différentes modalités, est-ce qu'il est plus facile de rentrer dans une école de commerce par le biais des admissions parallèles et d'éviter ainsi des concours un peu compliqués après la prépa, Catherine. Non, je pense pas qu'on peut dire ça. Ça dépend du profil des étudiants. Vous avez des étudiants qui, au sortir de la classe de terminale, ont beaucoup aimé le lycée, les méthodes d'enseignement, le côté, assez académique, et qui sont faits pour continuer en classe prépa, pour continuer, sur des apprentissages fondamentaux. Tandis que d'autres ont peut-être un peu plus souffert, alors qu'ils ont des compétences tout à fait valables et honorables pour entrer en école de commerce et qui préfèrent se tourner vers des formations plus professionnalisantes. Et voilà. Et donc, ce sont deux voies d'accès en grande école de commerce. Pour accéder au même programme de formation et les écoles de commerce, pour ce qui concerne le concours passerelle et les écoles membres du concours passerelle, elles nous disent que dans le top 10 des diplômés à la fin, bah, il y a des élèves issus de classe prépa et des élèves issus de filières plus professionnalisantes comme des IUT, comme les BTS ou les bachelors, hein, ou des élèves issus de l'université qui ont souhaité un petit peu se reconvertir sur une formation plus proche du monde de l'entreprise. Samuel, vous Ouais, voulez je rebondis compléter? sur ce que dit Catherine, je suis entièrement d'accord. On voit qu'une fois que l'intégration a été faite, il n'y a plus de différence de niveau. J'insiste là-dessus, je l'ai déjà dit, mais pour nous, ce qui compte, c'est véritablement le projet. Et à partir du moment où il y a projet et que nous, on sait qu'on peut amener à la réalisation concrète de ce projet, en général, les choses fonctionnent très bien. Une nuance néanmoins, à l'ILG, l'international, c'est vraiment un élément central, hein, de l'école. Et donc, plus on tarde à essayer d'intégrer l'école, plus au moment du recrutement, on peut se heurter à un niveau d'anglais que l'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que nous, très clairement, quand on veut rentrer sur nos programmes internationaux ou autres, ben, il faut un niveau d'anglais suffisant. Alors, il y a des étudiants qui, après des BTS, des licences, des parcours universitaires, ont pu avoir ce niveau d'anglais, et tant mieux. Mais c'est vrai que les BTS et l'université ne préparent pas forcément beaucoup à une très bonne maîtrise de l'anglais. C'est pareil pour la partie entreprise. Nous, quand on recrute, la partie stage est très très importante. Elle est aussi importante que le reste, hein, encore une fois. Et donc, c'est vrai qu'à l'université, on prépare peut-être moins à l'entreprise, c'est certain. Et donc, plus on tarde à intégrer l'école, plus l'écart se creuse entre des gens qui, dès le démarrage, ont fait beaucoup d'international, beaucoup de temps en entreprise, et des gens qui n'ont pas eu cette opportunité-là. C'est la seule limite. Mais elle dépend vraiment des projets des individus. Et pour rebondir sur ce que disait Catherine, je suis complètement d'accord avec elle. À la fin, il n'y a pas de différence. On retrouve des super parcours et des super profils professionnels de gens qui sont rentrés chez nous après des admissions parallèles. Et pour compléter aussi sur l'international, c'est tout à fait vrai ce que dit Samuel, hein. C'est sûr qu'il faut avoir un bon niveau d'anglais et d'autant meilleur si on rentre
en première année de master dans l'école. Il faut savoir que dans les écoles, il y a de plus en plus de professeurs anglophones, voire même uniquement anglophones, et donc de cours en anglais. Il y a énormément d'étudiants internationaux également. Donc, voilà, c'est pour ça. Et puis, il y a une invitation de la part des écoles à aller faire des immersions à l'international, que ce soit avec des stages, avec des partenariats avec des universités dans le monde entier. Toutes les écoles de commerce ont énormément de partenariats. Voilà, donc c'est vrai que le niveau d'anglais, voire même le niveau dans une LV2, est très important pour réussir en école de commerce. Et alors justement, ce niveau d'anglais qui peut parfois, vous le disiez tout à l'heure, Samuel, être un peu passable dans certaines filières, comment est-ce qu'on fait pour se préparer à rentrer en école de commerce et avoir un niveau d'anglais convenable? Alors, d'abord, contrairement à ce que beaucoup de gens qui certainement nous suivent, donc je suppose des étudiants en bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, et je suis prêt à échanger là-dessus via le chat, je pense qu'on aura des questions après. Avoir un niveau d'anglais qui vous permet d'être opérationnel dans un univers anglophone, c'est facile. Ça ne demande que un petit peu d'investissement. Je fais un parallèle, je suis passionné de football. On va dire que les footballeurs sont pas plus brillants ou moins brillants que l'ensemble du reste de la population. Et vous prenez n'importe quel joueur, il va jouer 6 mois en première ligue à Arsenal, à Chelsea, et il est capable de répondre à une interview en langue anglaise. Donc, j'en déduis que ça doit être à la portée de beaucoup d'étudiants. Parfois, c'est un manque de confiance. Nous, on a vraiment des moyens de vous rendre très vite bilingue, très vite opérationnel. Pour les admissions parallèles, je leur conseille plein de choses. Alors, tout va dépendre des profils, mais manger de la série Netflix en VO sous-titré anglais, aller faire un job de serveur ou autre dans un pays anglophone, hispanophone, etc., multiplier les expériences. La plupart sont dans des grandes villes où il y a des communautés anglaises, américaines, ou autre, etc., parce que je reste sur la partie anglaise naturellement. Échanger avec eux, ça va très vite. Ça reste une question de posture et une question d'envie. Ce qui est certain, c'est que nous, encore une fois, c'est vraiment l'ADN de l'école, l'international. Quand on part un an en Australie, 6 mois aux États-Unis, ailleurs ou autre, etc., il faut être prêt à ça. Partir, c'est un accélérateur, mais il y a un niveau de départ qui doit vous permettre de vous épanouir à l'étranger. On vous enverra pas à l'étranger pour que ce soit un séjour galère où vous ne maîtrisez pas la langue, vous êtes sûr de vous planter, on va pas vous envoyer à 6000 km. Pour que vous vous ratiez. Nous, notre objectif, c'est de s'assurer que vous avez le niveau suffisant pour pouvoir vous épanouir et naturellement améliorer votre niveau de langue. Donc, le conseil que je leur donnerai, c'est prenez le taureau par les cornes. C'est facile, c'est sympa. Mangez de la série, échangez avec des natives, ça va très vite. Voilà. Et puis, regardez les actus en anglais aussi. Oui. C'est de prendre cette habitude-là, ça permet de progresser et d'atteindre un niveau qui est peut-être pas exceptionnel, mais qui est suffisant pour comprendre et se faire comprendre dans un environnement anglophone, ce qui est l'essentiel. Après, l'école, elle est là, il y a des laboratoires de langue dans les écoles, il y a des professeurs, des conseils qui peuvent être donnés et pour progresser de façon un petit peu plus académique et atteindre notamment le nombre de points requis pour avoir un bon TOEIC et valider le diplôme à la fin, parce que c'est quelque chose de très important, il faut avoir un bon niveau de TOEIC pour valider le diplôme à la fin. Voilà, on ne peut pas être diplômé d'une école de management sans avoir un niveau d'anglais correct. On a une nouvelle question, c'est Adrien Groffier qui nous demande, il nous dit « Bonjour, comment peut-on se préparer pour les concours ou pour passerelles ?» Alors peut-être pour commencer, Catherine, du coup. Alors, les concours, pour se préparer au concours passerelle, déjà, on met à disposition des étudiants des annales qui leur permettent de refaire les sujets des années précédentes. On a un outil qui s'appelle la Learning Box, qui est un outil en ligne qui ouvre en même temps que les inscriptions fin novembre et dans laquelle les étudiants peuvent retrouver non seulement des annales, mais des conseils de la part des concepteurs. Ils peuvent se confronter avec les autres étudiants qui sont en train de s'entraîner. Et puis, les écoles organisent tous les samedis, à partir du mois de janvier jusqu'à la fin des inscriptions, des séances de training day, c'est-à-dire des séances d'une journée avec entraînement gratuit aux épreuves du concours, possibilité d'échanger avec l'école, possibilité d'échanger avec des formateurs qui vont donner des conseils ciblés en fonction du niveau, de l'origine d'études des candidats. Alors, il faut se préparer pendant toute l'année. Je pense qu'il faut, oui, tout dépend de la formation dont on vient.
Si on n'a aucune formation dispensée par l'établissement dans lequel on est étudiant, c'est bien de s'y mettre de façon un petit peu soutenue à partir du mois de janvier, voire un petit peu avant. Il faut savoir qu'il y a des établissements qui préparent au concours passerelle, donc avec des cours dédiés, préparation aux grandes écoles de à l'entrée en par admission parallèle aux grandes écoles de commerce et en particulier au concours passerelle. Donc là, c'est l'idéal, évidemment, parce que les jeunes sont vraiment dans une relation très personnalisée avec leurs enseignants pour réussir le mieux possible le concours. En tout état de cause, voilà, il y a ces outils qui sont mis à disposition gratuitement. Il n'y a même pas besoin d'être inscrit au concours pour bénéficier des contenus à disposition et qui permettent aux jeunes de vraiment se projeter dans l'épreuve et de la réussir pour essayer d'être le mieux classé possible. Hein. Un concours, c'est un classement, c'est pas une évaluation à proprement parler. Avant de vous poser la même question, Samuel, juste une dernière question sur passerelle encore, Catherine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler toutes les écoles qu'il y a dans ce concours commun donc, qui permet de candidater en même temps dans plusieurs établissements ? D'accord. Alors aujourd'hui, on est à 10 écoles membres du concours. Il y a Grenoble École de Management, Montpellier Business School, ESC Clermont, La Rochelle Business School, EM Normandie, SCBS qui se trouve à Troyes, ICN Business School, BSB à Dijon, IMTBS à Évry et EDC Paris Business School à La Défense qui ne fera plus partie du concours passerelle l'année prochaine. Très bien. Samuel, comment ça se passe ? Vous en avez déjà parlé un peu avant, mais là, on a une question d'Adrien. Comment ça se passe, vous, pour rentrer à l'IAG ? Alors, en ce qui concerne l'IAG, nous, on a un concours qui nous est spécifique, que ce soit pour les intégrations au démarrage ou alors en parallèle. Alors, d'abord, deux choses. S'il y a déjà, parmi les gens qui suivent cette conférence, des admissions parallèles qui se posent la question de est-ce qu'il est encore temps pour postuler ? Oui, il reste encore des opportunités. Je vous l'ai dit, la pandémie fait qu'on a modifié, comme toutes les écoles, notamment celles qui font partie de la conférence des grandes écoles, le process. Là, c'est un examen du dossier, une lettre de motivation. J'insiste sur cette lettre de motivation. Elle doit être construite, elle ne doit pas être une lettre de motivation lambda. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'où vous venez, les choix que vous avez faits, ce que vous avez envie de faire, l'idée de votre projet, vos qualités, et puis de voir pourquoi vous voulez intégrer notre école et ses spécificités. Ensuite, pour revenir sur si on doit se projeter pour la rentrée scolaire, entre guillemets, à venir, exactement comme pour Passerelle, nous, on conseille aux gens d'abord de venir en journée porte ouverte, parce que je pense que c'est que ce soit du physique ou du digital, hein, d'ailleurs, parce qu'elles sont organisées en physique d'habitude, mais on les a faites aussi en digital sur cette dernière période. Ça permet de sentir l'école, de sentir ses exigences, de rencontrer les étudiants, les intervenants professionnels, les enseignants-chercheurs, donc de se rendre bien compte de l'exigence de l'école, de ce qu'elle peut amener, de son cadre, parce que je pense que c'est très important de s'épanouir pendant ses études supérieures. Quelqu'un qui s'épanouit, c'est quelqu'un qui va réussir. Je ne connais pas de gens qui font des études contre leur gré ou qui réussissent dans un environnement dans lequel ils ne se sentent pas bien. Donc ça, c'est un point important. Et lors de ces journées portes ouvertes, il y a des ateliers de préparation au concours et nous, on fait en plus des journées supplémentaires de préparation au concours où là, effectivement, on va pouvoir, entre guillemets, bachoter toutes les épreuves du concours. Voilà. Je rappelle aux internautes qui nous écoutent, qui peuvent nous poser toutes leurs questions. On en a de nouvelles hein, qui viennent d'arriver, donc je vais vous les poser. On a Jules qui demande, pensez-vous que d'autres grandes écoles de commerce vont rejoindre ces différents concours communs ? Catherine, pour parler bien sûr, on est dans la période où les écoles s'interrogent sur leur process de recrutement et peut-être formuleront des demandes d'entrée dans la banque passerelle. Donc, à ce jour, je n'ai pas connaissance de demande, mais ça pourrait tout à fait arriver. On est voilà dans une période un petit peu transitoire. Et puis, cette année, on a la particularité d'avoir tous profondément modifié nos process de recrutement pour s'adapter à la situation de pandémie. Et je pense que du coup, le questionnement dans les écoles va être d'autant plus prégnant cette année. Samuel, vous, pourquoi vous ne rejoignez pas de concours commun ? Vous préférez rester seul ? Alors, oui, complètement, parce que, en fait, bon, d'abord, encore une fois, à l'IAG, il y a
galaxie entre guillemets de programmes, mais dont beaucoup sont quand même très centrés sur l'international. C'est vraiment l'ADN de l'école. L'école, depuis plus de 50 ans, forme des gens en responsabilité partout dans le monde. Et quel que soit le métier qu'ils font, qu'ils soient chefs d'entreprise, dans des métiers classiques type la finance ou autre, ou des nouveaux métiers, notamment sur la partie digitale, l'ADN de ces gens-là, le dénominateur commun, c'est souvent un démarrage de carrière à l'international ou un temps à l'international. Donc, nous, on veut vraiment valoriser ça dans notre concours, le côté aussi entrepreneurial. Et donc, on a notre concours qui nous est spécifique. Et à ma connaissance, ça n'a pas vocation à bouger dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Voilà. Je vous transmets une nouvelle question qui est une question d'Alexandra qui nous dit « Et quand on est déjà dans le monde du travail à 40 ans, y a-t-il des possibilités de faire des admissions parallèles ?» Alors, pour ce qui concerne Passerelle, non. Je pense que quand on est déjà dans le monde du travail, il faut peut-être plutôt regarder tout ce qui est MBA ou master spécialisé, et Samuel va être plus à même de répondre que moi à cette question. Oui, je ferai la même réponse, c'est-à-dire que sur nos programmes initiaux, plutôt non, bien entendu. Non pas qu'on ait une limite d'âge, mais voilà, parce que nous, on a vocation à amener des jeunes qui ont des ambitions professionnelles à ce qu'elles se concrétisent, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'ambition professionnelle à 40 ans. Au contraire, on va tous être amenés à se former, à changer 10, 15, 20 fois de job dans nos carrières, et c'est ça qui est plutôt excitant. Par contre, effectivement, on a des MBA dédiés, hein, ce qu'on appelle les formations exécutives, donc pour des gens qui ont déjà eu un premier temps, un premier parcours dans l'entreprise et qui ont envie ou de développer des compétences nouvelles ou de redonner un élan à leur carrière, notamment via du management et de l'international. Donc, c'est possible à l'IAG, effectivement, on a ces éléments-là exécutifs, mais pas dans nos formations initiales. Voilà. Et est-ce que vous pourrez nous rappeler un petit peu les dates, le calendrier de vos concours respectifs pour ceux qui nous écoutent ? Alors, côté passerelle, ouverture des inscriptions fin novembre, clôture début avril, déroulement des épreuves écrites courant avril, et admissibilité en mai, résultat en juin. Voilà, grosso modo, le calendrier. Maintenant, comme vous le savez, cette année, on a été pas mal perturbés dans nos calendriers. On a bel et bien clôturé nos inscriptions début avril, organisé le recrutement, la collecte des dossiers de candidature sur la deuxième quinzaine d'avril, et publier nos résultats mi-mai, comme beaucoup d'écoles. Toutes les écoles de la CGE ont été invitées à publier leurs résultats le même jour cette année, c'est-à-dire le 18 mai. Et ça, on espère que c'est un point positif de cette situation qu'on a vécue et qu'on arrivera les années prochaines à continuer à avoir le même calendrier de toutes écoles confondues, même si les parcours de recrutement ne sont pas les mêmes. Oui, pour rebondir sur ce que dit Catherine, alors nous, ça dépend vraiment des programmes, hein, parce qu'à l'ISG, vous avez plusieurs programmes, hein, le programme Grande École, le programme Business Management, nos masters et MBA spécialisés, puisqu'on est sur la thématique des admissions parallèles. En ce qui concerne le programme Grande École, on est sur la même logique, hein, avec des choix de Parcoursup, le concours, et donc, comme toutes les grandes écoles qui font partie de la CGE, l'annonce des résultats le même jour, comme disait Catherine. Pour le programme que je dirige spécifiquement à Bordeaux, hein, qui est le programme Business Management, nous, on commence les concours très tôt, c'est-à-dire dès la fin du mois de novembre, et nos écoles sont pleines, en général, allez, mi-mars, à peu près fin mars cette année. En fait, nous, on avait fini notre recrutement avant le confinement du 13 mars. Il nous reste une dizaine de minutes à passer ensemble, donc vous pouvez encore nous poser toutes vos questions, on y répondra avec grand plaisir. Moi, j'ai une question à vous poser à tous les deux, c'est… un peu sur les chiffres, est-ce que ça a augmenté ces dernières années le recrutement par admission parallèle ? Samuel, à l'ISG, les chiffres sont en hausse ? Alors, nous, on constate effectivement beaucoup plus de demandes, notamment émanant de l'université, enfin de gens qui ont des profils universitaires et des BTS. Alors, pour moi, je l'explique de manière, donc on a un vrai hausse, mais qui est significative, hein, de ces demandes-là. D'abord, je pense que de plus en plus d'étudiants se rendent compte qu'aujourd'hui, le niveau d'embauche, dès lors qu'on aspire à un certain nombre de responsabilités, n'est pas le bac plus 2, n'est pas le bac plus 3, mais est clairement le bac plus 5.
Et d'ailleurs, si ça peut rassurer les gens qui suivent ce live, quand on regarde les taux de chômage, hein, c'est pour moi une école, ça reste un tuyau qui doit amener à aller prendre des responsabilités. On est là que pour ça et rien d'autre. Il faut bien qu'on ne perde pas de vue notre mission. Quand on regarde les taux de chômage, ils sont divisés par deux quand on a un bac plus 5 par rapport à des bac plus 3 ou des bac plus 2. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience généralisée de la part des étudiants que on a de meilleures opportunités et plus de certitudes quand on va plus loin dans ses études, donc ça explique ça. Et puis ensuite, je pense que aujourd'hui, les entreprises cherchent des gens qui sont totalement opérationnels, qui sont des spécialistes de leur métier, très à l'aise avec les outils, avec l'international, avec les soft skills, c'est-à-dire aussi la capacité à l'écoute, à se former, à respecter ses engagements. C'est des qualités très importantes. Et l'exigence des entreprises au niveau du recrutement a augmenté et les étudiants se rendent compte que dans d'autres formations, on ne les forme pas assez à ces exigences-là qu'ils vont rencontrer très rapidement. C'est ce qui explique le boost des candidatures. On a Alexandra qui est intéressée par l'ISG. Visiblement, c'est la personne qui avait posé la question sur la reprise d'études à plus de 40 ans. Elle précise qu'elle a déjà un bac plus 6 et elle demande quels sont les masters possibles pour l'ISG dans le cadre des formations exécutives. Alors, bien vite, parce que je ne vais pas faire une présentation, une plaquette de des nombreuses formations exécutives de l'ISG. Je ne pense pas que l'objet soit de la réunion soit ça. Il faut qu'elle aille sur le site donc de l'ISG, qu'elle tape MBA exécutive et elle va aller voir toutes les possibilités qu'il peut y avoir, MBA spécialisé également. Voilà, on a de plus en plus de demandes. C'est aussi la même logique que j'évoquais. Des gens qui, après un premier temps en entreprise, une première carrière souvent très belle, décident de se reformer, d'adopter d'avoir des compétences supplémentaires. Je l'ai dit, on va être amené à se former tout au long de notre vie. C'est vraiment très important que les étudiants aient ça en tête. Une école aussi, ça sert à apprendre parce que on aura besoin, les choses changent, on le voit, la pandémie est un accélérateur de changement, de mutation. Je vous aurais dit que vous animeriez en digital un salon il y a encore quelques mois, vous n'auriez peut-être pas forcément imaginé cette situation-là. Voilà, il faut le faire, il faut s'adapter, ça sert à ça une école, donc il n'y a pas de problème. Qu'elle aille sur le site de l'ISG, sur les MBA exécutives, elle va trouver son bonheur. On a une autre question qui est une question de Damien, qui nous demande il faut passer des oraux pour entrer dans vos écoles. Alors, les oraux, cette année, on nous a demandé de ne pas faire d'oraux compte tenu des circonstances. Je pense que c'était pareil à l'ISG. Absolument, absolument. Donc, on a la consigne du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, voilà, on s'y est tous liés. Donc, on n'a pas fait d'oraux. C'est vrai que les écoles l'ont pas mal regretté. Et c'est aussi pour ça que, du coup, on a transformé. Normalement, on avait une épreuve de synthèse qu'on a annulée et qu'on a transformée par un petit questionnaire visant à évaluer les motivations, le projet du candidat dont Samuel a beaucoup parlé en début de conférence. Voilà, donc pour l'année prochaine, je ne sais pas ce qui va être décidé. C'est vrai que les épreuves orales, c'est un temps très important pour le candidat, pour découvrir l'école, pour vérifier que l'attirance qu'il avait trouvée en découvrant l'offre de formation de l'école est confirmée à l'occasion de sa présence dans l'école. Moi, j'espère qu'ils vont être maintenus, mais je ne sais pas ce qu'il en sera pour l'année prochaine. Alors, justement, pour ceux qui préparent les concours peut-être pour l'année prochaine, qui préparent une entrée en école de commerce, admission parallèle pour l'an prochain, est-ce qu'ils doivent se préparer à avoir des oraux? Et si oui, comment réussir ces oraux? Moi, je suis évidemment d'accord avec Catherine. On n'est pas tous les deux dans le secret des lieux. On n'a malheureusement pas de boule de cristal pour savoir de quoi sera fait l'avenir du point de vue sanitaire, bien entendu. Bon, après, on peut quand même imaginer qu'aujourd'hui, la situation s'améliore quand même grandement et qu'à partir du moment où on a une convocation, que la distanciation sociale est maintenue, j'imagine assez mal qu'on refera une année comme cette année pour certains de nos programmes, c'est-à-dire juste un examen du dossier avec cette fameuse lettre de motivation. Pour l'oral, alors sur le programme Business Management que je dirige à Bordeaux, nous, on avait encore une fois bouclé notre recrutement avant le confinement. Donc, on a fait passer des oraux de sélection toute l'année, en fait, dès le mois de novembre, y compris pour des admissions parallèles, naturellement. Pour bien se préparer à l'oral, encore une fois, il faut vraiment réfléchir à qui l'on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quels sont ses atouts, comment est-ce qu'on a
on fait tirer le meilleur des différentes expériences qu'on a pu vivre dans sa vie. Je pense que c'est très important d'être en mesure de synthétiser, de hiérarchiser ce qui s'est passé et comment on a rebondi sur un certain nombre de choses. Et puis d'expliquer ses motivations à intégrer une école en particulier. Catherine le disait, on n'a pas envie d'avoir devant nous des gens qui vont dans un, comme dans un supermarché, dire ben, ça, ça m'intéresse, et puis vous aussi, qui n'ont pas choisi. C'est un échange, c'est-à-dire que nous, on va autant choisir que l'on va nous choisir, et je pense que c'est très important que l'étudiant bosse bien les contenus des écoles, les attentes des écoles, les ADN des écoles, elles sont toutes différentes, et je pense que c'est très important. Et puis sur un plan très pratico-pratique, tout simplement s'entraîner à se parler à soi-même devant une glace, ça peut être le moyen d'apprendre à s'exprimer oralement sur son projet, sur sa vision au moins à court terme dans les 2-3 années à venir de ce qu'on a envie de faire et de devenir. Et puis également tout simplement s'entraîner avec un proche qui peut jouer un rôle de jury et aider le jeune à se préparer, encore une fois, à s'exprimer oralement sur ce qu'il est, sur ce qu'il veut être, sur ce qu'il veut devenir. Bon, je vais vous poser une dernière question et on prendra peut-être une dernière question d'internaute avant de terminer. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est difficile ces concours pour rentrer, est-ce que c'est très sélectif? Oui, bien sûr, c'est sélectif. L'idée, c'est pas d'accepter les étudiants les yeux fermés. Voilà. Donc, s'il y a des épreuves, s'il y a des oraux, c'est justement pour sélectionner les candidats. Après, il faut pas prendre le terme non plus sélectif avec trop de rigueur, parce que même dans un processus sélectif, tout candidat qui prend le temps de se préparer, d'étudier bien la façon dont il va être sélectionné, de se rendre sur des salons, de se renseigner sur les écoles à laquelle il postule, d'échanger avec ses pairs pour savoir, essayer autant que faire se peut de savoir ce qui se passe dans les écoles et comment faire pour être pris. Ce candidat-là qui prend ce soin-là et qui y passe un peu de temps, il a quand même de très bonnes chances d'être retenu dans une des écoles passerelles. Même type de réponse, oui, c'est sélectif, mais c'est logique et c'est normal. Il faut voir aussi que les écoles de commerce ont un coût. Et nous, quand on intègre quelqu'un, on prend la responsabilité, entre guillemets, que son investissement à lui soit rentabilisé, c'est-à-dire qu'il ait un top job à la sortie. Encore une fois, c'est ce qui nous anime. Là aussi, je pense que c'est très important que le candidat sente l'ADN de l'école, c'est-à-dire qui elle est, qui elle a formé, quelles sont ses convictions, pour que dans la façon dont il va se présenter, dans la façon dont il va évoquer son projet, l'ADN de l'école s'y retrouve aussi. Je pense que c'est très important. D'où l'intérêt pour moi, quand ce sera possible, naturellement, que ce soit en physique ou en digital, de rencontrer les écoles, de faire les différentes journées portes ouvertes, de faire des salons pour se rendre compte de l'esprit, de l'ADN de l'école, de l'ambiance, je pense que c'est fondamental. Justement, vous parlez de top job à la sortie. On n'a pas beaucoup parlé des débouchés après une école de commerce. Quels sont-ils? On sait qu'ils sont variés, mais est-ce que vous pouvez en citer un petit peu? Oui, alors aujourd'hui, alors d'abord, il faut voir que ces opportunités, et c'est très important que les gens qui veulent intégrer des grandes écoles de commerce s'en rendent compte, les opportunités, elles évoluent, c'est-à-dire que il y a des métiers qui, pendant un moment, vont amener à avoir beaucoup la cote, donc une grosse demande de la part des entreprises, et puis parfois, le robinet se ferme pour s'ouvrir vers d'autres types de compétences. L'important, c'est de coller aux compétences que les entreprises recherchent et ont besoin pour elles se développer. Par exemple, aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités dans le digital, et on voit bien que la pandémie n'a fait qu'accélérer cette mutation-là. Aujourd'hui, quand vos clients peuvent pas venir à vous en physique, il faut qu'ils y viennent en digital. On le voit sur tout un tas d'entreprises. On a tous utilisé du Teams, du Zoom et tout un tas de plateformes pour travailler sur le distanciel. Donc, le digital, c'est une grosse source d'opportunités qui est structurelle. Les métiers de la finance se portent toujours aussi très, très, très bien, notamment dès lors qu'on a des compétences très précises, très pointues. Il y a beaucoup d'opportunités. Même si la pandémie a mis un frein un petit peu sur l'international, il y a encore de très, très belles opportunités. Et je peux vous assurer que l'international a de très beaux jours devant lui. Voilà, pour moi, le digital, l'international, la finance, c'est vraiment trois voies importantes. Une dernière aussi, de plus en plus de nos étudiants aspirent à ça et de plus en plus d'entreprises ont des besoins là-dessus, de gens qui vont être très formés
à la transformation sur la partie développement durable, c'est-à-dire à accompagner les entreprises dans leurs réflexions pour mettre en place encore plus de comportements éthiques dans le développement durable. On a des formations, des MBA, des masters dédiés à ça. C'est évidemment des métiers d'avenir et des très belles opportunités à venir. Voilà. Moi, je pense qu'on peut aussi ajouter les métiers du commerce quand même, école de commerce. Il y a des opportunités dans le domaine, pour les métiers, pour ce qui concerne les métiers du commerce. Puis il y a autre chose dont on n'a pas parlé que je voudrais ajouter, le grand intérêt des écoles de commerce ou de management, c'est le réseau. Dans une école de management, vous allez vous retrouver déjà dans les salles de classe et dans les amphis avec des jeunes qui n'ont pas du tout le même cursus d'études pour les années post-bac et donc que vous n'auriez peut-être pas rencontré si vous étiez resté dans votre filière académique, notamment pour ce qui concerne les jeunes de l'université. Vous avez des étudiants internationaux et puis vous avez dans toutes les écoles de commerce des réseaux d'anciens qui sont en lien permanent avec les écoles. Qui représentent leur entreprise au sein de l'école, qui viennent faire des conférences, qui parlent avec les étudiants, qui parrainent éventuellement les étudiants en cours de cursus pour les entraîner dans leur entreprise et leur faire découvrir les métiers. Voilà, c'est ça aussi ce maillage qui permet pour les étudiants d'atterrir, de prendre connaissance des métiers et de la mutation des métiers, parce que évidemment, par les temps qui courent, elle est énorme, et puis de réussir leur atterrissage professionnel, si je puis dire. On a une dernière question, une question d'Adrien, et après je vous poserai ma question pour vous donner le mot de la fin à tous les deux. Adrien nous demande, et c'est une question à laquelle on a déjà répondu, mais on va y répondre, c'est pas grave, est-ce qu'on peut faire de l'alternance après un bac plus 2 dans les écoles de commerce? Ça dépend des écoles de commerce. Il faut se renseigner école par école. Il y en a qui le proposent et il y en a d'autres qui ne le proposent pas. Et je tiens à dire quand même quelque chose, c'est que quand on rentre après un bac plus 2 dans une école de commerce, la première année de programme grande école est justement une année très importante pour développer le réseau, pour participer à la vie associative de l'école, pour faire connaissance avec d'autres jeunes qui vont avoir des affinités, mais qu'on n'aurait peut-être pas rencontré si on était en alternance, parce que quand on est en alternance, on passe un peu moins de temps dans les locaux de l'école, et donc c'est plus difficile de développer le relationnel. Et pour rebondir, je souscris complètement à ce que dit Catherine, c'est une année qui est fondamentale, qui est constitutive d'un socle de réseau ou autre, etc. Réseau large, parce que nous, on travaille avec des ingénieurs, avec des gens qui font du design, etc. Donc, ça crée vraiment un écosystème de gens qui ont des talents, des visions, des horizons différents. Et en ce qui concerne l'ISG, l'alternance, l'apprentissage, les contrats de professionnalisation n'apparaissent qu'à partir du deuxième cycle pour les raisons que Catherine vient d'évoquer. Donc, pas avant la partie Master 1, Master 2. Voilà. Catherine, Samuel, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent, qui sont en train d'hésiter, qui sont en train de regarder pour l'année prochaine ce qu'ils vont faire, qui regardent les écoles de commerce, avec envie parfois, pour leur dire les admissions parallèles, c'est très bien et ça permet de faire des cursus super. Moi, ce que j'ai envie de dire, pardon Samuel, ce que j'ai envie de dire, c'est que le concours passerelle, c'est une valeur sûre. Hein, c'est un concours qui a plus de 30 ans d'existence derrière lui et qui permet de postuler dans une dizaine d'écoles. Il y en aura a priori que 9 l'année prochaine, mais qui sont des écoles reconnues, établies sur leur territoire, des écoles sérieuses qui ont une énorme expertise dans le domaine pédagogique et dans le domaine, justement, ce lien avec les entreprises pour réussir l'arrivée sur le marché du travail. Et donc, et au total, finalement, le concours passerelle, ça permet d'avoir face à soi, avec un jeu d'épreuves, un jeu de sélection, une diversité de formations extrêmement large, certaines qui sont en commun sur toutes les écoles. Et puis également des formations de niche, on n'en a pas parlé, mais ça existe et c'est pour ça que c'est important de se renseigner école par école de l'offre de formation. Mais selon les territoires, vous avez des écoles qui vont être particulièrement bonnes sur les métiers de la logistique, particulièrement bonnes sur les métiers du vin, particulièrement bonnes sur les métiers du luxe.
Donc voilà, postuler à passerelle, c'est se mettre face à une diversité de formations absolument exceptionnelle à mon sens. En ce qui concerne l'ISG, moi j'invite les gens, l'école, je vous l'ai dit, a plus de 50 ans, hein, à regarder, à consulter ce que font les anciens. C'est assez, c'est suffisamment éloquent et parlant pour pouvoir voilà, se permettre de rêver et de se dire pourquoi pas moi. Et le deuxième conseil que je me permettrais de leur donner, c'est de venir nous voir. Voilà. Je suis convaincu d'une chose, qu'on soit mission parallèle ou pas, c'est que quand on a un projet, quand on a une envie et qu'on est arrivé à la matérialiser, ben, il faut se rendre dans les écoles pour rencontrer les gens qui les dirigent, les intervenants, les étudiants, parce que nous, on peut vous parler de nos écoles, mais ceux qui en parlent le mieux, ce sont nos étudiants qui vivent au quotidien l'expérience que c'est d'être dans une grande école comme celle de l'ISG. Et qu'à un moment donné, ben, ils vont se rendre compte que oui, c'est là qu'ils ont envie d'être. Et là, à ce moment-là, de se donner les moyens de réussir. Je pense que c'est très, très important. Merci beaucoup Samuel, merci beaucoup Catherine d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé de vos réponses. On se retrouve un peu plus tard sur le Figaro étudiant pour ces rencontres de l'orientation at home. On a une prochaine conférence à midi avec Emma Ferrand. Quant à nous, on se retrouve à 18h et vous aurez plein de rendez-vous. Au revoir Wally, merci. Salut. Au revoir à tous, au revoir Wally, au revoir Catherine.